The events that took place yesterday in Toronto were a senseless attack and a horrific tragedy. On behalf of all Canadians, I offer my deepest, heartfelt condolences to the loved ones of all those who were killed, and we wish a full recovery to those injured and stand with the families and friends of the victims. I speak for every one of us in thanking the first responders at the scene. They handled this extremely difficult situation with professionalism and bravery. They faced danger without a moment of hesitation, and there is no doubt that their courage saved lives and prevented further injuries. The entire community of Toronto has shown strength and determination in the face of this tragedy. All Canadians stand united with Toronto today. Finally, I will note the excellent collaboration between all orders of government and law enforcement in the handling of this situation. We are continuing to monitor it closely and work with our law enforcement partners around the country to ensure the safety and security of all Canadians. Les événements survenus hier à Toronto sont une attaque insensée et une tragédie horrible. Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont été tués et nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées. Nous sommes de tout cœur avec les familles et les amis de toutes les victimes. Je tiens à remercier les premiers répondants qui ont su gérer cette situation extrêmement difficile avec courage et professionnalisme. Ils ont fait face aux dangers sans hésitation et les efforts qu'ils ont déployés ont sans doute sauvé des vies et prévenu d'autres blessés. Toute la communauté de Toronto a fait preuve de détermination et de force face à cette tragédie. Tous les Canadiens sont unis derrière Toronto aujourd'hui. Je tiens également à souligner l'excellente collaboration entre les paliers de gouvernement et les forces de l'ordre dans la gestion de cette situation. Nous suivons la situation de près et nous continuerons de travailler avec nos partenaires d'application de la loi à travers le pays pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. Monsieur Trudeau, il y a beaucoup de Canadiens aujourd'hui, des familles, des proches aussi, qui se posent une question, et c'est pourquoi. Pouvez-vous les éclairer sur les motifs ou les raisons qui auraient pu expliquer un tel geste de la part du suspect? Évidemment, les enquêtes continuent, mais nous avons déjà... C'est assez clair qu'il n'y a pas de connexion à la sécurité nationale comme telle. Pour les motivations, ça va prendre encore un peu de temps pour comprendre qu'est-ce qui était dans la tête de l'agresseur dans cette situation. Mais les Canadiens se posent beaucoup de questions et nous sommes tous ensemble à se poser des questions sur cette attaque insensée. Obviously, all Canadians continue and will continue to have questions about why this happened, what could possibly be the motives behind it. As was indicated last night by our public security minister, at this time we have no reason to suspect that there is any national security element to this attack, but obviously the investigations continue. Comment pouvez-vous rassurer les Canadiens alors que ce genre de geste-là est presque impossible à prévenir au fond? Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un pays en entier qui prend un moment pour réfléchir à comment nous pouvons être là les uns pour les autres. On pense à Toronto et aux familles des victimes. On est en train de vouloir être là pour nos voisins, pour nos communautés. On est rassuré par le calibre extraordinaire de ceux qui nous desservent à tous les jours en tant que premiers répondants. Nous allons continuer de faire tout ce qu'on peut en tant que palier de gouvernement en termes de services d'information et de protection pour assurer la protection des Canadiens à tous les jours. Obviously, Canadians across the country are shocked and saddened by this senseless
tragedy and attack, we can be comforted in seeing the extraordinary response of our first responders, folks who stepped up with courage and ability and ensured that in the face of such terrible tragedy and attacks, we are pulling together and trying to find answers while keeping people safe. We have extraordinary folks across the country in our police services and our intelligence agencies who work hard every day to keep Canadians safe, and they will continue to do just that. Prime Minister Julie Van Dusen, CBC, is there any way to protect Canadians who are going about their daily lives when assailants are choosing soft targets more and more? Obviously, we need to continue to reflect on the changing situations in which we're in, but we and do everything we can to keep Canadians safe. But we cannot, as Canadians, choose to live in fear every single day as we go about our daily business. We need to focus on doing what we can and we must to keep Canadians safe while we stay true to the freedoms and values that we all as Canadians hold dear. Évidemment, nous allons réfléchir sur et regarder suite à cet événement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour assurer la protection des Canadiens et de nos communautés. En même temps, nous ne devons pas commencer à vivre dans la peur et dans l'incertitude à tous les jours quand on se promène dans nos villes et quand on vit nos vies. Nous devons rester un pays ouvert, libre et à l'aise dans nos valeurs, et nous allons continuer de l'être. Does this change your planning for in terms of security for the G7 in Charlevoix in any way, considering it does not seem to be linked to terrorism? Obviously, you have to keep world leaders safe. Does this have any bearing on your planning? Security for the G7 will be comprehensive. We will, of course, always reflect on what we can do better, what we need to do. But as we know, this hasn't changed the overall threat level in Canada, and we will continue to make sure that both participants, residents, and all citizens are safe during the G7 and during any event of that kind. Dernière question. Pouvez-vous juste répéter ça en français avant ma dernière question? C'est certain que par rapport à la sécurité au G7 ou à n'importe quel autre événement d'envergure au Canada, nous allons toujours réfléchir à tout ce que nous pouvons faire pour assurer la sécurité des participants, des citoyens, des gens autour. Mais nous allons, nous reconnaissons que cet événement-ci n'a pas changé le niveau de menace au Canada. Mais nous allons toujours être ouverts à réfléchir à ce que nous pouvons faire mieux et apprendre de tragédies terribles comme celle-ci. Michel Lamarche, TVA Nouvelles. Monsieur Trudeau, plusieurs ce matin auraient pensé que vous seriez vous-même à Toronto, considérant l'ampleur de la tragédie. Qu'est-ce qui fait que vous faites cette déclaration aujourd'hui à partir d'Ottawa? Je pense que tous les Canadiens sont à Toronto aujourd'hui dans leur pensée, dans leur prière, dans leur cœur. J'ai parlé hier soir au maire et à la première ministre. Nos experts en sécurité, nos services de renseignement sont en train de travailler, de collaborer très étroitement avec tout le monde sur le terrain. Mais on sait très bien que ça continue d'être une enquête active et j'ai l'intention d'y aller dès que ça a du sens que j'y aille. Pour l'instant, je pense qu'on va laisser les gens faire leur travail sans trop de perturbations, ce qui est toujours le cas avec un premier ministre qui arrive. I spoke last night with the premier and the mayor. Our
police services, our intelligence agencies are all working very, very hard, closely coordinating with the folks on the ground. I think all Canadians are with Toronto today in our hearts, in our prayers, in our thoughts. I will, of course, go to Toronto for this as soon as it makes sense to do so. But right now it's very much an active, ongoing situation, and I wouldn't want to distract or remove any personnel or any focus away from the important work that's being done, both for the victims and their families and for the investigation. Merci beaucoup tout le monde.